Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, mardi 19 septembre 2023. On quitte ce matin Pérols-sur-Vérez pour nous rendre à Lestar, toujours en Corrèze. Alors, pourquoi aller à Lestar? Eh bien parce que son église a une particularité unique en France. Je vous en reparle dans quelques minutes. Quand vous arrivez à Lestar, vous pouvez, s'il y a de la place, vous garer sur le parking de la mairie. Après renseignements pris auprès de celle-ci, nous avons l'autorisation de rester pour la nuit à condition d'être garé le long de la pelouse. Vous avez à votre disposition un WC public ainsi qu'une fontaine avec de l'eau potable. Je vais à présent vous parler un peu de cette église et de la particularité de son toit. L'église Saint-Martial a été construite à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle sur un site qui était déjà occupé par un lieu de culte à l'époque gallo-romaine. Elle est de style roman et sa particularité est qu'elle possède un toit de chaume qui est unique en France. Cette église est classée au titre des monuments historiques depuis 2002. Elle a été restaurée récemment et est ouverte au public. Vous pouvez donc la visiter. Cette église vaut grandement le détour. Ses extérieurs sont magnifiquement entretenus et c'est un plaisir d'y faire le tour. Je ne peux que vous recommander de venir vous arrêter quelques minutes ou plus afin de la découvrir. Juste à côté de la mairie, vous trouverez un bar-restaurant familial chez Monique, avec une ambiance bistrot de campagne à l'honneur. Un menu du jour unique pour un tarif de 15 euros, cuisiné par Monique depuis plus de 30 ans. Je vous conseille vivement la réservation si vous souhaitez y déjeuner. Dans l'après-midi, nous avons voulu voir un peu plus loin. Et nous sommes partis vers le col de Lestar et la table d'orientation. Comptez plus ou moins 1 km pour vous y rendre. Vous pourrez y découvrir une vue très sympathique. Thank you.
Voilà, ici se termine notre balade à l'Estard et de sa belle église. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air et le commentaire auquel je répondrai avec un grand plaisir. Bonne balade à tous et à très bientôt. Bye!